bien, salut tout le monde, c'est Omer, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve toujours pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est une nouvelle vidéo un peu sur Dom en massacre. Oui, je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines et désolé. J'ai un peu galéré au niveau des commentaires et tout ça, j'ai pas eu trop le temps on va dire. Et voilà, j'ai acheté un nouveau micro, je sais pas si vous le voyez mais la qualité est vraiment énorme. Alors c'est le Eagleton UM30 mais on n'est pas trop là pour parler de ça. Je ferai sans doute une vidéo avec quoi je filme, avec quoi je fais tous mes réglages et mes vidéos. Donc aujourd'hui, comme il y a marqué sur le titre, on va parler un peu des tout petits youtubeurs. Et lors de cette vidéo, je vais essayer de rester un peu impartial et de pas avoir la grosse tête. Et moi, honnêtement, un petit abonné, ça part de 0 abonné à 3000, on va dire. Et après, on passe un cap au-dessus. On devient moyen. Et après, à partir de 20 000, je trouve qu'on devient un grand youtubeur plutôt. Et oui, ben tous ces petits youtubeurs, et ben ils savent pas comment se faire connaître et ils pourrissent les vidéos de Code QG, de Diablo X9, coup. Ils mettent oui, je fais des vidéos commentées, je fais des concours, alors que ces concours, les trois quarts du temps, c'est des fakes. Oui, je suis désolé de critiquer ces gens-là, mais bon, c'est un peu un coup de gueule. Moi, je l'ai jamais fait, honnêtement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des messages au tout début, ouais, tu peux voir ma chaîne et tout ça, mais j'ai jamais forcé les gens à s'abonner. Comme ça, ou même des fois pour rigoler, mais j'ai jamais dit ah, va t'abonner, sinon voilà, je me désabonne de ta chaîne. Alors que si je m'abonne à une chaîne, c'est parce qu'elle vaut le coup, tout simplement. Et voilà, bon ben après ces petits youtubeurs, bon, je vais donner des petites techniques. Après, moi, selon ce que je peux faire, moi, c'est que vous m'envoyez un message privé, vous me dites ouais, je fais des vidéos et tout ça, mais il faut que ça vaille le coup, il faut que ça soit de la qualité, Dazzle, voilà, Dazzle minimum. Et qu'après il faut pas qu'il y ait les bandes noires et tout ça, et je vais voir vos vidéos et j'essaie de faire un maximum. Si ça me plaît vraiment, et ben je peux vous mettre dans la subbox, y a pas de problème. C'est juste que il faut le mériter, quoi. Honnêtement, il faut faire des choses, parce qu'il y en a, ils se plaignent sur CodeQG de pas être pris alors que leurs vidéos ils filment avec un Nokia et ils y peuvent rien. C'est comme si vous présentiez un entretien d'embauche et que vous voulez devenir ingénieur et que et vous alors que vous avez un master pâtisserie, et ben il est con mon exemple, mais bon, c'est un peu ça, quoi. C'est vous, on demande de la HD, vous filmez avec un Nokia tout pourri. Après, c'est peut-être du boulot ce que vous avez donné derrière, mais bon, c'est pas très sympa ce que je dis, mais bon, des fois il y a du boulot, mais faut rester un peu juste et d'écouter un peu ce que les gens disent avant de critiquer et toujours pourrir. De pourrir tout ça. Bon, là en fait ce gameplay il est pas de moi, il est d'un membre de ma team, iPhoenix, merci à lui. Parce que oui, j'arrive plus trop à faire de massacre, enfin je suis un peu blasé d'MW3 on va dire, je suis sur Code 4 en pro mode on va dire. Et oui, il fait un massacre à la P90, il va nous faire un beau 74-16. Et non, il va pas lâcher de mob, c'est ballot. Hein. Et je sais pas, pour mes nouvelles vidéos, ben conseillez-moi des jeux, j'en ai une trentaine, donc ouais, je peux faire plein de vidéos de jeux vidéo. Je vais sans doute m'acheter soit Max Payne 3 ou Dirt Showdown, vous mettez dans les commentaires sur quelle vidéo vous aimeriez jouer. Et aussi, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos parce que j'ai beaucoup pris de temps pour mes abonnés, tout ça. J'ai fait des zombies, j'ai fait des glitches avec des abonnés. Et c'était cool, quoi. Bon, là on est à la 3e minute du gameplay. J'espère que la vidéo vous plaira au niveau de la qualité. J'ai changé quelques trucs à la color correction. J'ai ajouté des nouveaux réglages. Et vous me dites au niveau de la voix si vous êtes content. Et je ferai une vidéo explication avec une vidéo setup, on va dire, avec ce que je filme et mon ordi avec toute sa configuration, puisque ça a été un ordi fait main. Et aussi je suis content un peu de ma communauté, puisque bah merci à ceux qui m'ont toujours suivi, et ceux qui sont désabonnés, c'est ceux qui devaient se dire ouais, il fait plus trop vidéo. Bah vous avez raison de vous désabonner, honnêtement. Et voilà, voilà. Et aussi Xberius, celui qui a fait mon introduction YouTube, pardon, il y avait pas en bas, attention. Non, je déconne. Xberius, celui qui fait mon introduction, il y a son Mac, le pauvre. On devait lui rendre, puisqu'il avait un problème, on devait lui rendre à la fin du mois, alors que ça faisait un mois et demi qu'il attendait. Et Darty,
Darty a fait tomber son iMac Core i7 qui coûte la peau du cul. Ils ont fait tomber son iMac et il est retourné au SAV. Honnêtement, j'étais mort de rire. Enfin, je sais pas pour vous, hein, vous allez rigoler derrière retardé, mais voilà quoi. Et aussi, après, vous pouvez me dire des sujets quoi. Là, j'ai trouvé un débat un peu dur à aborder puisque c'est les petits youtubeurs et voilà, il faut pas les. On va dire, faut pas vous brusquer quoi. Parce que. Après, moi je dis ce qui est. Après, j'attends beaucoup de vos réactions dans les commentaires. Puisque vous. Oh le triple. Amazing. Putain, j'espère qu'on n'entend pas ma mère parler en bas. Oh, missile Predator, bah, il va faire un assez beau massacre. Et vous me dites sur quel Call of j'ai. Predator sans doute. Je vais peut-être faire une vidéo. Oui, Phoenix, t'es une grosse merde. T'as pas réussi ton missile. C'est ballot. Et pour la SFT, on mini recrutement de deux personnes premium. Après, si vous l'êtes pas, c'est pas grave, mais bon, m'envoyez pas de message privé. Hein. Et aussi, si vous avez une bonne chaîne, comme j'ai dit, je peux vous faire de la pub. Honnêtement, il y a Zerkos, il se reconnaîtra dans la vidéo. Et ben, j'ai commenté ses vidéos en disant ce qui allait pas et ce qui allait bien. Genre, il mettait les bandes noires sur ses vidéos. Et ben, je lui ai dit de modifier ça. Et par contre, je lui ai dit que son commentaire était plaisant. Voilà quoi. Et après, il faut faire des sacrifices pour faire des vidéos. Faut pas se lancer comme ça. Il faut avoir du matos, des thunes. Après, il faut avoir les contacts, c'est le plus important. Et les chaînes communautaires, je suis directeur de la. Co-directeur de la. Co-administrateur, pardon, de la French Code Community qui compte maintenant 1500 abonnés. Si vous voulez gagner. Je sais pas, 50 abonnés en une vidéo, et ben je peux vous la prendre. Vous m'envoyez même un message privé à la French Code puisque je reçois les messages aussi et vous dites de la part de Meraman et moi je regarderai bien votre vidéo et tout ça et donc voilà, c'est un peu moi votre contact. Magnifique de la part de Phoenix là. C'est vraiment une partie d'enfer hein, cette P90, elle est très puissante. Moi je vous la conseille avec recul et visée solide pour tir au sujet. Vous pouvez voir qui joue très bien au jugé, et là au niveau de mon nouveau microphone, là le Eagleton UM30, et ben on va dire que je parle pas très fort là, je suis à 2 mm de mon micro. Et aussi pour ceux qui veulent m'ajouter sur le PSN, je vais bientôt me créer un nouveau compte, ce qui s'appelait Homer Mods, et sur PC je joue beaucoup à Team Fortress en ce moment, je suis en mode gros geek, mon idée Steam c'est Homer Aman, je sais pas s'il faut mettre un 8 à la fin puisque j'ai changé entre temps. Et oui, bah, je joue beaucoup à Team Fortress 2 avec les copains de la team et tout ça. Et si vous souhaitez vraiment jouer avec moi, et ben envoyez-moi des messages et tout ça, je serai tout le temps avec vous pour jouer. Mais après, voilà, c'est inhumain de jouer avec 1000 personnes en une journée. Enfin, je sais pas si vous devez le comprendre, hein. Vous êtes pas con, je sais, mes abonnés, vous êtes pas con. Et aussi, truc très méchant à dire, mais c'est ceux que moi j'avais une voix très aiguë avant et ceux qui commentent des vidéos. Essayez de pas trop parler aigu, essayez de prendre un peu une voix un peu plus grave puisque c'est plus plaisant à entendre je trouve. Et beaucoup de gens disent ça et je suis désolé pour ceux qui ont une voix aiguë, moi je l'avais avant, vous regardez ma toute première vidéo du tuto d'un hack sur iPhone et ben vous allez rigoler. Si vous avez envie je vous mets le lien, sinon vous allez sur ma chaîne et vous tapez vidéo. Et vous verrez. Bon là il va un peu rusher, je sais pas en quel mode il est, il est en domination, là il va faire un gros fail je me rappelle. Ah la merde, j'ai envie de dire. Et oui je vais avoir les nouvelles maps, si vous voulez que je fasse une vidéo, je sais pas, une vidéo sniper avec un membre de la team contre deux gens sniper comme il a dû faire Wartech et tout ça, mais c'est un peu dur quand même sur YouTube parce que des fois t'as des idées, tu vois un grand youtubeur te l'a piqué, tu fais ah, c'est bon je vais me faire insulter par tout le monde. C'est la fête, c'est la foire aux asticots parce que voilà, les gens l'auront déjà fait. Si pour être connu sur YouTube aussi, ben vous avez Facebook, si vous avez des potes au collège tout ça qui aiment les vidéos, ben vous spammez pas, mais bon, les gens où c'est susceptible de les intéresser, ben vous envoyez un message privé tout ça, et regardons, ça fera au moins une vue quoi. Après les vues, il faut qu'elles soient un peu bénéfiques, quoi. Il faut que ce soit des gens actifs et tout sur la chaîne. Faut pas que ce soit des gens comme ça, et c'est ça que je recherche moi aussi sur pour ma chaîne. Hein, moi, en gros, on va dire que j'en ai 500 qui me suivent vraiment sur mes abonnés. Je suis pas très fier de ça, mais bon, c'est un peu normal puisque je fais pas assez de vidéos. Sale lag, désolé de ma part. C'est ma carte à Vermedia, je sais pas ce qu'elle a. Niveau disputeur HDMI, NT Trip, pas mal. Après,
qu'est-ce que je peux dire, Black Ops 2, je vais sans doute faire une vidéo pas pareil que les autres, puisque tout le monde le critique ce jeu alors qu'il est même pas sorti. Moi honnêtement je suis un peu con de dire ça, mais rien que le trailer ça me donne trop envie de l'acheter. C'est fait pour, en même temps ils savent tout faire. Ils ont mis un message subliminal pour qu'on achète leur jeu directement, quoi. Bon, c'est la fin de la vidéo, je vous dis ciao tout le monde, c'était Omer. À la prochaine pour du nouveau gameplay, je vous dis ciao les gens. C'était Omer Aman sur Dom, où il y a Aphenix qui fait un gameplay de ouf, et je vous parle des petits youtubeurs et de la communauté, voilà quoi. Allez, ciao les gens.